Salut la team, c'est Gabi. Bon bah moi je viens d'emménager dans ma nouvelle maison. Je vous fais un petit house tour. Vous venez? Salut la team, c'est Gabi. Bon bah là je suis dans la cabane de la maison dans laquelle maintenant je vis. Alors. Du coup, comme je vous l'ai dit vraiment juste avant, elle est vraiment super bien cette cabane, elle est super bien placée et tout. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit paysage, vraiment super mignon. Vous avez vu comme moi. Bon ben du coup, on continue hein. Sur la deuxième plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a une échelle en bois. J'avoue que c'est pas pratique hein, pour monter et descendre, mais carnet, je dois le récupérer. Oui. J'ai encore tellement de choses à dire, à partager, mais je suis bloquée ici. T'es qui? Je m'appelle Elisabeth. Je vivais ici il y a longtemps, mais je suis morte. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce que j'ai vécu ici était horrible. Cette maison retrace mes pires souvenirs. J'ai été séquestrée, torturée, personne n'en saura jamais rien. Si. Ils sauront. Je leur dirai. Je leur raconterai. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je devais avoir 6 ans. La première fois que mes parents m'ont séquestrée. Ils m'ont torturée de la pire manière qui soit. Salut la team, c'est Gabi. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Je vais vous raconter l'histoire du coup de l'ancienne propriétaire des lieux. Elle s'appelait Elisabeth. Elle était née le 15 avril 1945. Et toute son enfance a été un peu particulière parce qu'elle a été victime de séquestration et de torture de la part de sa famille. Elle a été violée et victime d'inceste aussi par les mêmes.